peur de lancer en même temps que veulent couper son live, j'espère que ça n'a pas fait de la merde. Salut à tous, c'est Monsieur Magic Arena FR, comment ça va? Ah mais non, je me vois en retour, mais c'est formidable ce qui se passe. Oh là 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 là, mais c'est génial. Et la PL qui part sur du Minecraft avec Lanceau. Eh ben on l'a joué tout à l'heure avec l'ami Lanceau à Minecraft jusqu'à ce que Val commence. J'étais en mode bon, il fait son run, je peux continuer, pépouze. Et quand j'ai vu à quel point Val a rossé, comme une testarossa, vous voyez, je me suis dit, waouh, il faut que je coupe tout vite, il faut que je sois prêt. Et j'étais prêt. Enfin, j'étais quasiment prêt, quoi. Le temps d'aller chercher voilà, la petite boisson, le petit snack. Ah non, c'est tout. Je vais dire, je vais aller chercher autre chose, non, pas du tout. Bon, cet événement-là, oh, on a un aperçu du jour 2, regardez ça. 2000 USD. La Crew Dragon décolle dans 2h50, by the way. Je sais pas ce que c'est. Putain, ce beau gosse, oh là là. Eh ouais, ah, il y en a qui ont pas vu la petite coupe de cheveux. Ah, on a fait un petit tour chez le coiffeur et tout. Et là, c'est un peu aplati à cause du casque, mais en vrai, il y a un effet 3D, on dirait une salle IMAX, quoi. C'est. Vous êtes là en mode, waouh, est-ce que c'est Avengers? Mais non, c'est juste une coupe de cheveux. Je plaisante, Dolores. Du coup, ce petit deck. Ah, je peux vous lancer Cardboard Life si Val l'a désactivé chez lui. Là, j'attendais qu'il le coupe avant de le lancer. Il a tout coupé du coup. Ben, comme tu peux le constater, pas du tout. Ah, les côtés, derrière, oui. La nuque longue, j'ai dit, vous pouvez la garder. T'es un Super Saiyan 2. Ah, il y a peut-être un petit côté Saiyan, je ne sais pas. Exactement, Newmir. On m'a tondu l'élastique du masque. J'étais comme ça et ça fait zbrou, paf, le masque qui pète. C'est vos amis, ça, les decks Lucas? Allez, on va commencer par ça. Présentez-vous un petit peu là, le chat. Ah, j'ai failli, Rove. Merci beaucoup à Dancy pour Twitch Prime. Eh oui, et merci beaucoup à Demerfran. Je ne sais pas quand a eu lieu. Peut-être que je peux le voir là sur mon. Tac, 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 tac. Je ne vois pas. Ah, si. Ah, je crois que c'était hier. Eh ben, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu de notif. Ou c'est peut-être sur le stream de Val, mais merci énormément pour le don à Demerfran du coup que je n'avais point vu passer si jamais c'était sur mon stream. T'as intérêt à faire cette figure, je te le dis. Bon, on va essayer, hein. On va essayer. Je vais laisser le micro open, tranquillou. Je vais essayer de pas regarder le chat, de me concentrer sur mes games. Et du coup, bah, pas de musique pour rester focus. Enfin, moi, il n'y aura pas de musique, mais il y aura mon micro. Écoute, PL de stream, je ne vois qu'un beau jeune homme avec des cheveux magnifiques. Ah là là, mais c'est que de compliments. 4-3 à cause du Musclic Arena, ça fout tellement les boules. Ah ouais, ça fait chier, ouais. Salut Porambou, salut tout le monde. C'est toi, Josuke? Jotaro. Dio. Je peux te retrouver cette liste quelque part. Alors, si tu vas sur le Twitter, tu as juste à enlever deux princes charmants et à mettre deux guide-voix Sylana. C'est exactement la même decklist, à part ça. Tu peux faire point d'exclamation deck pour la voir également. Je vais tenter de lancer Cardboard Live, les gars. Et une fois que Cardboard Live est lancé, bah, on va partir pour ce petit run, j'ai envie de dire. J'ai aucune aspiration parce qu'en fait, je n'ai pas du tout joué en standard BO3. Je crois que c'est bon, ça marche. Donc si jamais je fais jour 2, je ne sais pas quel deck jouer et je ne sais pas jouer en BO3. Enfin, je sais jouer un peu à Magic, mais. J'ai pas du tout train. Donc je fais vraiment à la cool. Parce que ça régale. On n'a pas fait 7-2, pas encore. Alors, je vais mettre le score de Val à l'écran pour ceux qui demandent. Score PL, tac. Score Val. Hop. Tu veux également jouer Winota? Ouais, je joue exactement cette decklist, ouais. Koka, il a fait 3-3. Oh là là. C'est pas bon ça. Bon, après, il va faire beaucoup de run, je pense, Croquis. Hein. Il a fait 3-3, 2-3, 2-3. Ben non. Tu changes tes forêts, PL? Non, vous savez quoi? Celles-là, je les aime bien. Elles vont me porter chance. Tu laisses Val faire jour 2 si tu gagnes? Je peux pas. Mais si c'est moi qui gagne, c'est mon compte, c'est moi qui dois jouer le jour 2. Enfin, les FE. Après près de deux chaînes, PL avoue être un amateur.
Bah disons que le BO3 là, j'ai pas du tout le niveau pour un jour 2, donc on verra bien quoi. Chèque Croquis. Scorvol, c'est pas celui qui a créé Linux. Ah, j'ai pas la Respawn 2. Ouais, si vous savez pas trop, franchement, 20 boosters, ça vaut le coup. Hein. Si je gagne les 2000$, je les partage avec vous. Bah, bien sûr, Max Boyman. Ça fera quoi? Ça fera 2-3 euros chacun? Enfin, non, en dollars, donc ça fera ouais, 2,50. Pourrait prendre un petit plaisir chez McDo. Ça fait plaisir. Du coup. J'avoue. Même pas un kebab. Merci Briarios. Allez, du coup, on est parti. Le cardboard live est lancé. Deux paquets de pâtes, c'est war ça. Oh, le barbecue géant. On est parti, hein. L'open. 4000. Ouf, voulez-vous au moins acheter cet article? Je ne sais pas. Par contre, ça régale. Franchement, moi, je suis team régalade. Et cette île, mes amis. Est-ce que vous avez déjà vu un truc aussi beau? Genre, il y a tout. Moi, j'adore les paysages déjà. Genre, les paysages un peu travaillés, vous voyez. Et là, on a les petites vagues comme ça qui arrivent. Il y a un petit peu de fumée, il y a quelques oisillons qui volent. Des montagnes un petit peu agressives, un petit peu piquantes qui rappellent un petit peu Godzilla. Il y a Godzilla au fond, mais qui est vraiment en mode chill. Il est là, il est pépouze. Et il y a le petit soleil en fond. Enfin, il y a tout. Moi, j'ai vu les landes. Au début, j'ai vu la forêt. J'ai dit, ok. Osef. Et j'ai vu l'île, j'ai fait oh! Mais j'achète! Mais c'est incroyable! Et en vrai, juste pour ces terrains, en espérant qu'ils soient un petit peu exclusifs pendant quelques temps, bah c'est fou quoi. À quand la version Paint? Yunzu. Si on se fait rosser, je vous propose peut-être cette île en version Paint. Tu vas jouer mono bleu tout le temps, du coup, je serai obligé de mettre une île par deck, même si c'est mono rouge. Et juste un problème, c'est une île. Et non, c'est pas un problème du tout ça. Tu les as comment les landes quand tu participes à l'événement? À ta première participation et les participations suivantes, c'est le même prix et tu gagnes pas de land, ça c'est un peu dommage. Ça aurait dû être genre 500 gemmes de moins par exemple ou un truc comme ça si jamais tu reparticipes vu que tu as déjà les landes. Pour lui, il est dans sa pédiluve, ouais, exactement. Allez, on récupère la récompense. On va choisir Winota Neo, envoyer le deck. Yes. Et du coup, on ne peut pas modifier le deck. Je me demandais si on pouvait changer de deck entre temps. Ah, c'est ça! Ah, c'est rigolo! Le jeton il fait des saltos, il fait des bing bing bing. Allez, c'est parti les gars, du coup je vais essayer de ne pas trop regarder le chat. Essayez de pas vous décevoir également. Quoique, est-ce que vous attendez grand-chose de moi? Echo of Time. Cette main, elle s'accélère, elle fait guide-voix, elle fait Alirios, mais elle n'a pas Winota. Et on joue contre Keruga. J'aime bien cette main quand même. J'ai envie de garder. Bon, il y a un agent traîtrise, donc c'est comme si on était en moule à 6, mais. C'est pas trop trop gênant. Il y a des fois où les games sont un peu longues, on peut jouer les agents à la main d'ailleurs. Puisqu'on s'accélère quand même avec les oies ou l'épaisseur. Donc je sais que il aura peu d'interactions normalement. Enfin. Ça va être compliqué, il faut falloir qu'il épioche ses interactions en early si il veut faire quelque chose et on a gagné le toss donc on peut faire des trucs. On peut prendre patron de guerre mais on s'expose fort à Winota. Ah, Clairon.
qui joue très certainement. On peut refuser, mais il va falloir espérer piocher. On peut garder Guidevoix pour essayer de aller chercher Winta. Je crois que Guidevoix creuse plus loin, donc c'est mieux, même si on perd du temps. J'ai pas énormément joué le deck, donc j'ai sûrement fait en plus plein d'erreurs. Temple, ok. On va rejouer Guidevoix. C'est créature ou... Je me rappelle même pas ce que ça fait. Créature ou terrain. Ok. Sinon, on peut Alirios, mais je crois que là, aller chercher Minota, c'est le best. On a déjà 4 landes, donc on va préférer Alirios. On est obligé ou pas? Ah non, je peux révéler, je suis pas obligé. Ah, j'aurais peut-être dû decline. Je sais pas à quel point on préfère avoir une créature. Ouais, éclairons. Que tenter d'avoir autre chose. Il doit avoir beaucoup d'interactions, mais pas de... Si on déclinait, on trouvait terrain de prédilection. Ouais, il doit avoir beaucoup d'interactions, mais pas forcément de quoi développer son plan de jeu. Je sais pas quelle version il joue. Si je trouve Winota maintenant, le fait de decline aurait été bien meilleur. Kenrit, ok. Bah là, est-ce qu'on a vraiment le choix? Elle est compliquée celle-là, de toute façon, il faut espérer là qu'ils mettent pas trop de créatures et qu'ils les buffent. Il n'y a pas Fire, donc normalement ils devraient pas mettre trop de bêtes. Géant, il veut attaquer avec. Ouais, c'est ce que je disais, il a les interactions en main. Il a eu son géant, il a eu son clairon, il y a eu même Teff. Il y a eu Kenrit. Là, on peut faire Néoforme pour aller chercher Winota et Alirios. Et... On aura. Ah non, on sera obligé de bloquer pour pas mourir. Donc c'est pas fou. Peut-être que Kenrit est mieux du coup.
T'as qu'un bleu, ouais, je peux pas faire ça du coup. Si je n'ai au fond mais que je fais rien d'autre, ça pue. Je crois qu'il faut Rock'n'Rit. De toute façon, celle-là, on est un peu du pair. Lui, en plus, il a rien à jouer, il fait juste Keruga, il pioche 3. Enfin, 2. S'il fait Fire, il pioche 3. Non, tu vas chercher juste un truc qui coûte un de plus. Peut tout miser sur une déco également. Bizarre. Là, du coup, je peux faire Néoforme à Lyrios. Je sais pas, peut-être qu'il a une déco. Je vais attendre un petit peu avant de jouer mon tour. Peut-être que ça lui permettra de revenir. Est-ce qu'aller chercher Winota, c'est bien? Que je peux utiliser juste Kenrit et on n'est pas plus mal quoi. Genre je peux piocher une carte ou je peux gagner des PEV, mettre un marqueur. Ouais, je crois que je vais juste faire ça en fait hein. Et voir ce qu'il propose lui. On peut gagner 10 PEV. Emprunteur, ouais, l'adversaire a pu revenir du coup. Enfin, je sais pas s'il a une déco, mais tout passer pour rien faire. C'est bizarre. Je sais pas ce qu'il y a notre adversaire, mais il met beaucoup de temps à faire pas grand-chose. Peut-être beaucoup de temps de réflexion. Mais genre vraiment passer son tour. Il peut pas la jouer ensuite, il a que deux bleus. Si je passe à 13 et que j'ai un bloqueur, je prends combien? Je prends 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, je crois que c'est un petit peu trop risqué là. On va gagner des PEV. Coucou, Mr. Jack. Take two. On va bloquer là, de toute façon, on a notre main et lui c'est un humain, donc on s'en fout. En 7, 8, 9, 10, 11 là normalement. Ces maudites interactions.
Et ouais, mais il fallait que je chatte Gaillard et j'étais mort si jamais je trouvais pas agent de trahison. Donc, agent de traîtrise, pardon. Qu'on peut jouer là d'ailleurs. S'il a un contre GG, je crois que c'est le meilleur play là parce que juste Kenrit en bloc, on prend 11. Et on est à 12 potentiellement en faisant Kenrit et ça. Ouais, allez, hein, on va tenter. Il a peut-être fin du compte notre capacité. Prends cavalier pour pas qu'il puisse buff. Et qu'il ne mette pas 6 points. On met encore sur géant et boons par exemple. Géant, est-ce qu'il a boons? Bah, s'il a eu toutes les interactions de son pack après. Bah GG. Bien sûr, on bloque. Sur un land, on peut Kenrit gagner 5 PV. Et sinon, on peut juste Kenrit gagner 3 PV. Land plus Kavat est mort, ouais. Ah, il y a plein de setups qui nous tuent. Ah, Sphinx, on n'est plus trop vivant. Et en plus, il taunte, c'est vraiment pas sympa, lui. Sachant que j'ai pas joué volontairement pour qu'il puisse revenir dans la game. C'est une personne détestable, pour rester poli. Si je Kenrid, il gagne. Je passe à 2, je repasse à 7, mais je prends 7 en vol. J'espère qu'il va faire 6-3 lui. Et... Quoique non, parce qu'il aurait des récompenses. J'espère qu'il va faire full défaite après. A-t-on des solutions? Je crois que le mieux c'est de faire Alirios, Néoforme. Et en espérant voler des trucs. Winota. Et là, je peux avoir un proc ou deux. On peut mettre ça engagé. Si j'ai deux procs, je suis mort. Je crois que 3 PV et un proc, c'est mieux. Parce que. Ah, mais de toute façon, non, on va bloquer là et là. On prend 7, on est à 7. À quel point 3 PF c'est mieux? Non, je crois que 2 proc c'est plus fort. Agent, cool. On va lui prendre Sphinx. Et rien. Ok. Et ben dommage, ce deuxième proc a été blanc. Si on se prenait. Si on jouait agent. On était vivant, si on prenait Prince Charmant, on était vivant. C'est un peu dommage. Ah, peut-être qu'il doit bloquer, sinon il est mort. Ah, mais il a juste à bloquer ça. Si j'attaquais Quinota. Ah, peut-être qu'il fallait attaquer Quinota. Ouais, mais c'est pareil, si je fais pas de proc, j'étais mort. Il trouve cavalier, lui. Ouais. On va concéder. Non, je suis mort parce qu'il m'attaque avec 3, enfin 4 bêtes du coup et j'ai 2 bloqueurs. Si j'attaquais Quinota, il devait bloquer. Attention au cool ouest par contre. Si j'attaquais Quinota, il devait bloquer. Mais en fait, ça dépendait de mes procs de Winota. C'est toujours ça. Et du coup, le deuxième qui a prouté.
Ça nous a mis mal. De toute façon, la game était mal engagée. On s'est pris clairement tour 3. On a mis 18 tours à trouver Winota aussi. Ça, c'est très bien. On va garder cette carte. Après, j'ai fait qu'une game hyper. Hein. Est-ce que c'est la même chose que nous? Mais avec Humori. Enfin, du coup, pas la même chose. En tout cas, on va bassin d'élevage, épaisseur. Pas trop de changement, je crois. Mirror, c'est celui qui fait le plus de. Enfin, le proc le plus tôt. Ah non, pas Mirror. Enfin, peut-être, mais ça m'étonnerait. 3 points, pas de bloc. Oh, il a attaqué, donc on peut mettre patron pour avoir plein de triggers, c'est bien ça. Tour de patron qui met un point. Il joue mutate, ouais. Oh, mais elle est belle cette forêt. Forêt d'Ikoria. Très beau. Alors là, on va le saucer, lui, s'il n'y a pas de réponse. On va avoir 4 triggers de Winota. Par contre, on va donner notre board potentiellement, mais. Il va peut-être pas bah, attaquer en plus. Si, il s'en cague. On va pas de bloc. On passe à 10, on va même passer à 8. Rouge-blanc, donc peu importe le land, je crois. Je peux jouer Winota. Hop. Bonsoir, attaquer avec tout. Mentor là-dessus. Ah, on peut mentor sur Pesseur, tiens. Agent de traîtrise. On va prendre Humori. Plutôt Alirios. Qui va être attaquant. Et en plus mettre ça. Est-ce qu'on peut mourir? Non, je crois pas. Donc on va mettre Winota, attaquante. Et agent de traîtrise, on va prendre son grand corne. C'est bien. Et ouais, c'est bien. À chaque fois, on n'a pas le temps de. De remercier. De remercier, de dire bien joué. Bah écoutez, elle était bien cette sortie. Et putain, je vois que mon fond vert fait de la merde là sur le retour. Genre par là, là. Vous voyez là? Mercredi, je reçois les lumières. Enfin, je vais chercher les lumières. Ça fait plaisir. Allez! Va là jouer le même deck. C'est lui qui m'a parlé de la liste. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais tester. Et bah, c'était bien. Alors là, on fait une sortie quand même pas mal. On a juste à piocher des landes. Et on a principalement pour Scry 2 au pire, pour aller chercher, donc on va la garder. Alors Winota, son cague bien. Yorion. Le deck Winota sale, une partie de moi, espère que tu vas perdre, je suis désolé. Il n'y a pas de problème SMB. C'est fou comme les gens détestaient Yorion et il y a un nouveau deck, et ben on déteste ce nouveau deck maintenant. Alors après c'est un deck de BO, hein, BO3, il y a plein de réponses pour contrer ça. Ça marche quand même en BO3, mais c'est beaucoup moins puissant parce que. Enfin, typiquement Rafale d'Éther, ça explose le deck. Parce que vous faites Rafale sur Winota et ouch!
pas de land. Petit Scry 2 du coup. Regarde. Deux landes? Un land, on prend. On perd l'accélération qu'on a eue. Mais au niveau des tours, là, on a joué un tour 2 au tour 2. Donc, on jouera un tour 3 au tour 3. Ça passe. Ouais, je comprends hein, que ce soit détestable hein, les sorties que ça fait, hein, mais je dis pas qu'il n'y a pas de problème et que tout est normal. Hein. Agent, c'est une mécanique un peu chiante et bah, ça coûte 7 pour une bonne raison. Donc si on peut en abuser et le faire régulièrement plus tôt, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Mais il y a des mécaniques des fois qui sont juste pas fun. Même enfin, voilà, les pros ils voient que des cartes, des stats, etc. quand ils jouent, mais tu peux quand même avoir plus ou moins de plaisir à jouer, même en jouant compétitivement. Il y a des fois, bah, c'est juste les mécaniques sont pas forcément amusantes, quoi. Alors, au cas où il y a Vras, je crois que je peux faire exécuteur. Ça fait un peu moins de proc sur Winota, mais on repart avec patron derrière et c'est plus fort. Donc on va plutôt faire exécuteur là. Deux points. Parce que c'est bande contrôle, je pense, en face. ECD sur exécuteur. Un petit land là, parce que c'est bien mou ce qu'il fait. Oh, putain. Bon, on en a deux, donc on va en jouer un. Un petit beatdown quand même. On se serait pris ECD sur patron dans tous les cas. S'il avait Vras, il l'aurait fait. Parce que là, actuellement, il n'y a rien en son cimetière. Enfin, il y a Ouro, mais. C'est pas incroyable. Yorion. Il va nous enlever un truc, mais on a quand même 3 procs sur Winota. Là, il faut un land. Hein. Pioche sa petite carte aussi. Voilà. Un land n'importe quelle couleur en plus. Je crois que je peux même attaquer au prince charmant en fait. Ça fait pas de proc, mais ça fait potentiellement 2 points. Rien sur le premier. Agent sur le deuxième. Qui va prendre quoi? Yorion. Pour qu'il n'y ait pas de bloc. Et ça, qui va prendre son aspect de Conquerdes. Là, il a déjà trop de land pour que j'espère faire quelque chose. Et comme ça, si Ivras, le CD va nous permettre de reprendre une créature. Ça reset pas la saga dans Lovecraft, parce qu'elle ne quitte pas le champ de bataille. Ouro, qu'il a joué de sa main, ok. Ouais, là, il avait tellement de land, si j'en piquais même deux, c'était pas ouf, et il restait avec ECD et Orion, donc. Piquer les land, c'est bien quand vous faites des sorties vraiment patates. Vous les piquez au début, du coup, vous avez beaucoup de land, votre adversaire peu, et c'est très dur pour lui de revenir. En fait, vous l'empêchez de Vras, hein, tout simplement. Et en late game, sauf si vous pouvez cutter une couleur et encore. Là, je crois que je vais rien mettre de plus. Je sais pas trop ce qu'il pourrait me jouer, mais j'ai déjà l'étal là, donc. Donc on va juste faire. Ah, on peut. Si, on va payer 2. Parce qu'on peut choper un Kenrit. Et on peut faire ses effets. Mais il est mort. Ouais. J'ai bugué là. 2, hein. C'est propre.
Ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu de Bant, donc je me demandais ce qu'il pouvait jouer potentiellement. S'il pouvait jouer Absorb, peut-être. Il contrait un truc, ouais, mais non, avec les procs, il était largement mort. Il voulait te dire Girafale, ouais. Non, bah, ça prend en compte les quêtes, quoi. Donc, Alors là, on a Pesseur, Exécuteur, Néoforme. Il faut encore une fois des Landes, mais il nous faut juste un Land, là. Puisqu'avec Néoforme, pour 3, on a Winota. On commence. On va le tenter, sachant qu'au pire, on pourra faire Néoforme sur Pesseur pour trouver Feuble Teup. Et du coup, avoir. Avoir une Draw 2. En plus d'avoir une 2-2. Est-ce qu'on le fait là du coup? Parce que si je passe et que j'ai pas de land tour prochain, c'est désastreux. Ouais, je crois que je vais le faire. Feuble Teup ou ça? Non, Feuble Teup c'est mieux de piocher deux. On trouve des landes et on trouve Winota. Bah super! Si on trouve un land, on pourra faire Winota, j'attaque. J'ai un proc déjà. On trouve pas de land. Donc là, le mieux, c'est d'Alirios pour avoir. C'est d'exécuteur, pardon, pour avoir deux procs. On va lui proposer une phase d'attaque. Exécuteur, ça nous fait deux créatures qui proc de sûr. Et comme à chaque fois, si jamais il y a des Vraz et des gestions de masse, c'est toujours bien de repartir avec Patron. Pas toujours mieux. Pourquoi fallait patron? Ah mais je tourne autour de que mon adversaire va avoir des interactions. S'il en a pas, en tous les cas, il va être aux fraises. Oh, on a de la chance en plus. Tu vois, là, il a pas eu d'interaction, je fais quand même 3 procs. Au lieu de 4, c'est pas très grave. Kenrit. Agent. Allô. Qui va prendre. Ouais. Qui aurait pris un triome. Et merci beaucoup, Vicarius, pour le sub. 9e mois d'abonnement, le petit Egaru qui se débloque. Faudra que je fasse des nouveaux badges d'ailleurs, parce que ça, le temps bah, passe beaucoup trop vite là. Merde, non, pas 6-1 quand même. Il doit jouer des cris du carnéon, ouais, du coup, cri sur 2-1-1 fly. Alors que cri sur patron. Nah. Chiant. 3-1, bon, on continue. Ouais, on a un peu de réussite sur celle-là. Mais quand on voit qu'on n'a pas du tout eu de réussite sur la première, au niveau de chercher nos Winota, etc., finalement, ça s'équilibre un peu, quoi. Ah, putain, dommage. Dommage, la main est sexy, mais il n'y a pas de verre pour Wador ni Néoforme. Bon, Néoforme, pas trop besoin, mais. Et on commence, donc on doit vraiment mulligan cette main. C'est mieux, encore une fois, on doit piocher des landes, mais. Garder 6 cartes, on joue contre Obosh. Et on va enlever une Winota, parce que logiquement. On n'aura besoin que d'une. On met une 0-3 si c'est Obosh Mono Red. Et c'était certainement Obosh Mono Red. Ça va nous faire gagner pas mal de points de vie, ça. Aïe. Pas de land. Ça casse notre sortie patate, là. Mais si on trouve un land tour prochain, ça passe. Adepte Sinistre. Effinwood. On tank un point de dégâts. C'est déjà ça. Ah, on trouve un land. On doit se piquer un petit peu. Patron, là, il va le manger. Mais tour d'après, je vais avoir 2-2-2. Merci beaucoup à Orgams pour du Prime. Ah, mais là, il va le manger. Et si à son tour, il a interaction, j'ai moins de proc. Donc, exécuteur, là, est mieux. Parce que là, le token se faisait trade par initiative. Et ensuite, interaction, on n'avait plus rien. Pas l'attaque. Et encore un land et Winota. Et on n'est pas trop mal. C'est bannière.
On a déjà un agent en main et je sais. Non, c'est une Winota qu'on a bottom, ouais. Pan, pan, pan. Est-ce qu'il va payer là 1? On prend 2 du coup. Et merci beaucoup à Guiboul Grivois pour le sub. Juste une 0-3, c'est pas dingue. Là, on a une 2-2 qui pourra bloquer. J'attaque pas avec mes créatures parce que si jamais il me fait quelque chose où j'ai besoin de bloquer, bah, je serai content. Rouge, Finaude. On prend 3 là, on va devoir bloquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut en bloquer 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend que 6. Que. Et on garde encore 1, 2, 3, 4 proc. Mais si on prend 6 et qu'on n'a pas forêt, on pourra pas Winota. Parce que ça nous piquera de 2. Genre là, si on bioque comme ça, il faut top deck forêt. Parce que sinon, on pourra pas jouer notre land. Mais si je lui donne patron de guerre, j'aurai. Ouais, j'aurai 2 proc, ça peut le faire peut-être. Ouais, de toute façon, je crois que celle-là, elle est morte. Hein. Néoforme, on pouvait jouer Winota du coup si on gardait patron, mais sans perdre de points de vie. Bon, c'est quand même chaud. Néoforme Pesseur va chercher quoi? On va chercher le 2-2, le prince charmant qui fait gagner 3 PV, qui se devient 3-3. Mais là, on risque de se prendre Obosh. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas juste 3. Ah, ben on est mort en fait s'il fait Obosh. Ah non, il y aura juste 5 mana pour Obosh, donc non. Ah, il vaut mieux mettre du board là, je crois. Feu top sinon est 2-2, trade et fait piocher 2 cartes. On n'est pas allé chercher déjà, non? Ouais, je peux pas jouer les deux. Ouais. Je crois que Fable Tup est mieux. Voilà, il attaque, on va prendre 1, voire 2 avec Obosh. Et si j'ai 2 bloqueurs. En fait, si je fais Fable Tup et que je trouve pas un land, une forêt, je suis mort. Parce que là, s'il met Obosh, on va dire il top deck land. On prend 2 juste avec l'attaque. Et on aura que 2 bloqueurs. Ouais, il faut Pesseur. C'est triste. C'est comme ça qu'on survit le mieux. Pas obligé de trouver son land. Champion fervent, ok. Et Crasher. Et on n'est pas mort. On peut bloquer comme ça. On prend 2. Je vais chercher Prince. Pour même avec Forêt, c'était trop compliqué là. Prince. 3 PV. Je prends 1, 2, 3. Je bloque 2. Ouais, non, je suis mort. Je peux pas tenir un tour de plus. Aïe, aïe, aïe. Yop. On gagne quoi? Ah, 400 gemmes. Waouh. C'est trop bien.
Londres s'est fait attendre, ouais. Je sais pas à quel point il faut qu'on les gagne dans nos Londres parce qu'il nous faut de l'early drop avec de l'accélération si possible. Winota ou Neoform, nos Landes, nos couleurs. Enfin, je sais pas à quel point on doit être dur avec notre main de départ si elle contient un peu tout, qu'elle manque juste de Landes. Snow Biscuit. Alors, en vrai, il y a plein de monde où je trouvais Winota, un Land plutôt, ouais. On faisait des trucs. Alors là, on fait Prince Tour 2. Mais on peut pas jouer Neoform ni Fable Dupe. Par contre, on a Exécuteur, Prince. Là, on n'a plus droit à l'erreur. Hein. Si on garde, on va faire une sortie potentiellement molle. Après, on a de quoi. Parce que là, si je fais Prince dans Exécuteur. Neoform sur exécuteur. Sachant que l'agent traîtrise, c'est comme si on avait une carte en moins. Non, je crois qu'on va essayer de trouver mieux. Oh putain, on a encore un agent traîtrise. On a Wador tour 1 dans guide voie. Va garder cette main. En espérant faire des trucs avec guide voie. On fait Wa dans guide voie. Et en vrai, si on trouve une Winota, on fait tour 3 Winota, 2 proc. Non, un proc. Oh, Winota, bonjour. Guide voie. J'ai pas besoin de Winota, du coup j'en ai une. J'ai pas besoin de Kenrith. J'ai pas besoin d'un land non plus, je crois que j'ai juste refusé là. Ouais. Pas l'attaque. Oh. Ah, s'il est bon, il va sniper notre Odor. Ah, s'il l'a. Caryatide, ok. Bon, bah là, on se fait plaisir, les gars. C'est bassin d'élevage, Winota, tous les jours. Elfe éclaireur, proc, agent. Ça ajoute un mana de la couleur de son choix, donc vaut mieux enlever ça, qui veut le fixer, je crois. J'enlève une créa et une accélération en même temps. Ah, rip Winota. On va proposer encore 5 points. Parce que je le pioche pas, hein, ouais, je le mets au-dessus. Guide voie. Pas trop. Non, Kenrith est mieux. Là, je peux jouer tour prochain. Parce que j'ai pas encore landé. Ouais, Kenrith est bien. Et je vais jouer ça. Terminer le tour. Je vais pouvoir faire un token de Wador fin de tour. Et à mon tour, land. Kenrith, activer, attaquer. Je peux payer 2 PV et... Ah bah j'ai la Caryatide en plus. Bon, c'est quand même pas mal d'avoir fait ça. Ouais, Fier Bruit de Croissance, ouais, c'est étonnant. Après, il faut faire attention avec ça, il peut one shot, hein. Je vais Kenrith, ça c'est sûr. Il faut espérer qu'il ne one shot pas. Hein. J'ai 1, 2 mana, up sous Kenrith. J'avais 3 mana avec la Caryatide, ouais. Mais là, je crois que. Le but, de toute façon, c'est de faire un mana rouge. Mettre ça engagé. D'attaquer. Dans tous les cas, que je le bloque ou pas, ça met les mêmes points. Donc est-ce qu'il faut pas que j'attaque avec tout?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il va m'en croquer un, mais il va passer à pas beaucoup. Puisque ça a rien que je le bloque. Ouais, je crois que j'attaque avec tout. Et s'il peut one shot, bah GG. Voilà, je mets des coups dans mon bureau. Ça empêche de jouer un Shockland des tapoués et ça a pas l'air d'être le joueur à en faire, mais. Ok. Et il met 9 quand même. Hein. On s'est tellement fait mal avec les Shocklands. Bien joué. On gagne 400 gemmes de plus. Tu peux ramener Winotech and Rit? Non, non, elle est exilée en plus. Et j'ai pas de mana noir pour utiliser sa capa. Ah si, avec Cariatide j'avais un mana noir, mais bon, elle est exilée donc je pouvais pas. Par contre, j'avais peut-être un argent au cimetière, non? Je m'en rappelle plus. Ouais, j'avais un argent au cimetière que j'aurais pu ramener. Bon, de toute façon, il était bon, on s'en fout. Pff, ça pue la merde, ça, comme main. Enfin, c'est vénère si on a une Winota, mais il n'y en a pas, donc on mulligan. Ça c'est bien. On est vagant. On aurait aimé commencer, mais c'est pas grave. Je crois qu'on n'a pas trop commencé. Je sais pas si ça se dit. Tour de patron. En espérant faire tour 3 Inota. Avec nos lands. Sinon on le fera avec Néoforme. C'est parfait ça. Hop, hop. C'est le Naya aggro. Je connais pas. Enfin, c'est. Ah, ça a plutôt l'air d'être Tamer Adventure, ça. Tavernier. Ok. Donc là, on se régale. First provocation de traîtrise. Je comprends. On allait lui enlever un land là, minimum. C'est bon, on récupère des gemmes, on pourra faire quelques drafts plus tard, les gars. 1200, ouais. Standardise tour 4 format. Et encore c'était sur le draw, imagine sur le play. Bah ouais, vous lui enlevez son tavernier et son accélération. Donc on lui enlève, il a plus rien quoi. Ah! Putain, on a 3 landes, nos couleurs, patron, Wador, Pesseur, guide-voix. Donc on s'accélère, on fait des trucs vénères. Ah, je vais la garder celle-là. On va essayer de trouver une Winota. Dans tous les cas, on fait tour de patron, ce qui est déjà vénère. Ah bah demain, tu pourras pas jouer à Vassine, ça termine à... Ah si, demain matin, tu peux jouer. Mais ça termine à 13h, donc faut que tu joues bien le matin. Ah, faut que tu prévoies le temps le matin pour plusieurs tentatives. Enfin, faut que tu prévoies ton temps pour avoir le temps de tout finir sur le deck que tu joues, voire plusieurs tentatives. Ah, 13h, c'est peut-être la limite d'inscription. Ce qui fait que...
Que tu as jusqu'à 16h pour jouer. Peut-être que 13h c'est limite d'inscription. Donc tu as le temps de jouer tranquille demain. Mais si 13h c'est fin du truc, c'est chaud. Nope, je suis en Australie et 3h du mat ici. Ah, mais je peux pas savoir ça. Si t'es en Australie, c'est sûr que c'est pas la même limonade. Et du coup, je te conseillerais d'aller faire dodo là. Jund. Ok. On va bourrer. Et on trade 1. On prend 4. Je crois pas trop qu'il ait de Vras. Kenrith, on peut le jouer tour prochain? Si on fait Land ou Ador, on peut jouer Kenrith. Ça a l'air fort de faire ça, non? Quand lui, il va avoir pas grand-chose. Parce que là, nous faire sacrifier, on s'en cagle, hein. Si Kenrith toi ce tour, ça nous fait piocher et tout. Ouais, je vais garder Kenrith. Et je vais me piquer 2 pour Wador. Jund Citadel, je crois qu'il gère pas trop les boards là, enfin pas avec ce qu'il a. Ah, bien vu, Mixa, ouais. J'aurais pu garder une 1-1. Diable du carnage, il peut sacrifier Diable et Wador. Pour me faire sacrifier une bête et mettre 2 ping, donc tuer le patron. Donc il tue patron et on sacrifie Pesseur. Ou alors il tue le Wador. Mais s'il fait ça, il espère qu'on n'ait pas de land en main. Et surtout, il a sacrifié son Wador et son diable. Merci beaucoup, Talafix, pour le sub. Coucou, fais le coucou. Et j'aurais pas. Ah, si je joue Cri du Carnarium dans Jund, c'est tellement anti-synergique. Bon, il a posé un four, mais c'est tout. On va lui proposer Kenrith et 4 points. On aurait pu avoir une 1-1 en plus, ouais. Ouais, bien sûr, ouais, je dis pas que s'il a fait un mauvais play, mais juste que son play, c'est pas quelque chose qui le met forcément dans une po bonne position. Donc là, s'il veut réactiver prêtresse, il doit poser 2 bêtes. Merci beaucoup à Machira51 pour Twitch Prime. Si on détape avec Kenrith, on va au moins piocher une carte avec lui. On peut aussi mettre des marqueurs. Diable et fin de tour. Oui, il peut land chat, double sacrifice. Enfin, sacrifier 2 bêtes. Tuer le Wador ou le guide voix ou token. Nous faire sacrifier notre bête, mais il nous tue pas Kenrith. Kenrith ne se prend pas sur le spell à 1 aussi. Et ça, c'est pas mal. Land. Chat, c'est chiant là. S'il bloque avec son diable du carnage. Sacrifie. Ah, il peut sacrifier qu'un truc, je crois, là. Je crois que je vais full attaque. Parce que je peux mettre des marqueurs avec Kenrith pour potentiellement trade ses créas.
Ouais, juste comme ça. Ça va attaquer avec Oie d'Or. Enfin, si tu peux mettre des marqueurs sur l'Oie d'Or, mais bon. Bloque avec prêtresse. Il bloque le gobelin. S'il sacrifie, je vais payer un rouge pour mettre le piette. Et mettre un marqueur sur gobelin pour trade. Dans tous les cas, je vais mettre le piette et un mana et un marqueur sur le 2-2. Ah, il bloque pas finalement. 1, 8. On le tue pas. Il réfléchit là, c'est compliqué. Il doit tenir un tour pour faire de la magie à son tour prochain. On est quand même à 12, hein, c'est très low. Enfin. Par rapport au deck qu'on affronte, c'est très lourd. Ok, alors s'il fait ça, je vais essayer de mettre un marqueur sur mon gobelin. Je peux mettre un autre marqueur pour le garder, mais j'aime bien le piétinement. Ou je peux faire résoudre, il va sacrifier quelque chose de toute façon. Pour tuer le guidevoi. Et voir ce qu'il fait. Sacrifie. Alors je peux sauver mon guidevoi ou mettre 5 points ou sauver mon gobelin. Je crois que sauver guidevoi c'est mieux. Ok, je trade, j'ai encore 3 bêtes. Il a 2 food, donc il peut quand même remonter de 6 points de vie. Mais il va pas. Ok, piste de miettes, encore un food. Heureusement qu'on a Kenrith pour le piétinement si jamais il avait chat. Ok, on va attaquer avec nos bêtes. Wador pourra faire un food potentiellement. Elle souffle! Les oies, ça va 5 minutes par contre. Oh, les oies, là, fermez-la! Ok, et bah du coup, le win and in, ou lose and out, j'ai envie de dire. On est parti. J'annonce un misplay, je perds la game, alors que je devais la gagner. On a accélération dans exécuteur, mais rien d'autre. On a un agent qui fait rien. On a une main qui fait un peu prout là quand même. Non, c'est trop risqué, il faut vraiment que je pioche des trucs, c'est pas bon. Ça, c'est mieux. On va garder 6 cartes, enlever agent. Ou sur le coup, j'étais en mode merde, j'ai pas de mana vert. Si, j'ai le mana vert. Prince Charmant ne triggera pas Winota, mais bon. Ça trigger Winota. Par contre, là, si on fait exécuteur et qu'on trouve pas de land. On fait pas de proc. Donc je pense qu'il vaut mieux Prince Charmant pour pouvoir être sûr de trigger Winota en vrai. Regarde 2. Ah, voyez. Là, on enlève les deux. On veut trouver un land. Hein, je crois. Patron est pas mal aussi, mais on va fort dans Clairon en fait avec Patron. Non, il faut trouver un land là, pour Winota. On va mettre ça engagé, pas d'attaque. Prince regardant. Salut bandit. Cercle sur prince. Ah, il fallait cercle le pêcheur, je pense. Exécuteur. Pas d'attaque.
On peut encore trouver un land là, parce que du coup on s'offre deux procs de plus. Il peut Pavras. Oh! Allez, on tente. Oh! Oh! Le triome. Je suis dans la merde. Je sais pas jouer en VO3. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait demain, les gars? Maintenant, il faut trouver ce qu'on fait demain. Les gars. Les gars. Est-ce qu'on n'a pas fait le 7-2? Est-ce qu'on n'a pas fait le 7-2? Ah, mais il faut que je mette tous les sons là. Voilà. Prout, criquet. Non, pas triste. Ça. Monsieur, mais je mets tout là. Oh, mais je mets ça. Merci, 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 c'est important. Et puis voilà. Ah, c'est Winota avec tous les procs, ça. Vos amis, c'est vos amis, ça, qui se Qui se foutent de foutent de votre votre gueule. gueule? C'est ton ami, ça, qui a dit ça. C'est ton ami, ça, hein, qui se permet de dire on va les bouger, ces connons. On va les bouger. Qui c'est qui a dit ça? Eh bien, écoutez, merci le chat, mais rien n'est fait. Demain, on peut se prendre un 0-2 et rentrer à la maison bien sagement. Heureusement, je suis déjà à la maison. Ils se foutent de votre gueule. Donc, j'aurai pas beaucoup de chemin. Merci beaucoup, Val, pour la decklist. Pour les conseils, pour les insights. Et j'ai vengé ton 6-3, et ça me fait très plaisir. C'est pas le meilleur deck, mais c'est le meilleur deck, ça. Et en plus, on gagne quoi? Une prophétesse des crânes. On récupère ma récompense, mais bien sûr. Qualifié, accès jour 2. Un pré-cran, parce que ça, on va aller le tweeter, les amis. Une victoire demain pour rembourser. Ouais, sur deux matchs, je dois en gagner un, ça se fait. Malgré un adversaire agaçant à la 1. Bah, déjà, il était agaçant. Et en plus, on a fait exprès de slow play, de jouer lentement pour qu'il puisse revenir s'il avait une déco. Et il nous gratifie de ça. Donc c'est vrai qu'il n'était pas du tout cordial, lui. Merci beaucoup à Necrotic91 pour les 5 subs. Ouais, 5 subs, pardon. Et puis si vous pouviez le remercier, ça ferait plaisir. Tony Roy, Ortag, Petite Langoustine, très bon pseudo. Nithurb et le Warlock décadent. Bah, en fait, voilà, si vous dites un petit merci, ça régale en fait dans le chat. Un ingrat le premier repos. Mais carrément, carrément, carrément. Eh ben 6-3 et 7-2 avec ce deck. Je pense que c'est un bon deck pour faire l'événement. Hop là, mettons à jour le petit score. Quand même, hein, ça fait plaisir. Et là, parce que c'est quand même allé assez vite, je vais prendre encore quelques minutes pour réfléchir avec vous et réfléchir avec toi, Val. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux Discord? Parce qu'il faut qu'on discute maintenant. Ah, c'est formidable. Récupérer ma récompense, mais bien sûr. Oh là là, le token. Jeton du jour 2 de l'Open Arena. On peut avoir un aperçu du jour 2, du coup. Oh là là, je vais attendre 21 h. Ouais, tu peux changer de deck. Bah, de toute façon, c'est pas le même format, donc. Je sais pas si j'ai Discord d'ouvert, en fait. Est-ce qu'il m'appelle? Allô? Oh la dingo. Oh, il est là, lui. GG gros, hein. Putain, le monstre. Merci. Putain, Bon, le on n'a pas la 7-2, quoi. meilleure DL de tous les temps, gros. Oh, la meilleure DL, les guides voix satyres qui ont fait un taf formidable. Tu m'étonnes. Mais. Ah, le croquis là qui soi-disant avait le meilleur Winota, allez, il repassera à 6-3 ou 7-2. Oh là là, putain, mais nul. Mais tu sais quoi, les guides voix, c'était des éboueurs. Et ils prenaient la merde au-dessus du pack et ils l'enlevaient. Ouais. Ah, c'est des bons ajouts, ces petits guides voix. Du coup, Ouais. j'imagine qu'il te faut un bon deck de BO3 pour demain. Il me faut un bon deck de BO3, du coup, on va essayer de gagner des petits sous. Franchement, si t'es chaud, moi je te ponds une decklist 4C Winota BO3. Ah, j'ai l'impression qu'on va se faire attendre en fait au tournant là. Qu'est-ce qu'il Avec les faut faire Winota? quoi? Bah, Ouais. après, est-ce que t'es chaud de jouer Jeskai demain, Jeskai Lucas? Non, je suis pas du tout chaud pour Jeskai Lucas, donc bon, si jamais on joue Winota en BO3, pourquoi pas, tu vois.
franchement, si moi demain je devais faire jour 2, je crois que j'aurais joué Winota aussi en BO3, je pense. Ah, j'avoue, qu'est-ce qu'on fait le chat? Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème de Sky Lucas, c'est que ni toi ni moi, on a train le paquet et bah, on va pas gagner les miroirs, quoi. Ouais, je suis vraiment. Même si c'est ça se joue beaucoup au toss et à la sortie, il y a quand même des lignes de play pas forcément, enfin, qui sont simples parfois à voir quand t'es de l'extérieur, enfin t'es à l'extérieur, mais quand t'es dans la game, c'est très dur, je crois. Ouais, j'ai de bonnes idées en plus pour l'adapter en BO3 ce truc. J'ai vu une liste de Emma Handy qui propose un side d'une version 4C Winota. Il y a moyen qu'en mettant un peu les mains dans le cambouis vite fait, on puisse trouver une decklist sympa. Hein. C'est possible. Vu que les gens seront adaptés en plus au miroir de Lucas, c'est pas les interactions qu'ils vont avoir vraiment. Enfin, ils vont pas avoir full interaction, les mecs. Hein. Ah, on propose Temur Elemental qui bat Lucas. Et c'est cool. Ah bah ça, je sais jouer ça. Enfin, je sais plus Ouais, jouer déjà. je suis pas méga fan moi de Temur Elemental pour le coup. C'est une decklist qu'on avait justement avant les Red Bull Untap qu'on avait testé avec Philippe et on trouvait que Sultai ça battait Lucas et c'était juste un meilleur deck. Ok. Et Jeskai Vadrock. Et Jeskai Vadrock, c'est dur. Hein. La surprise. Ah, tu sais ce qui est incroyable, c'est que je viens d'arriver pour ta dernière game parce que pendant les deux d'avant, j'étais plus là parce qu'il y a Mika qui vient d'arriver. Du coup, on a assisté à ta victoire en direct. Incroyable. Eh ben bonjour Mika, si tu es là. Ah, il est reparti dans le salon du coup. Eh ben il est reparti. Bah bonjour Mika quand même. Putain, Z-Boss, à 2000 dollars gros. Hein. Ouais, pas de suite les 2000 dollars. Mais en vrai, quelques gemmes, ça ferait plaisir pour payer le M21 qui arrive là. Ou Faut LCQ, il y a voir eu des si bons Lucas Temur arrête de jouer Elemental. avec tes murs élémentaires, si c'est une mécanique que tu connais bien. Bah c'est, tu mets des bêtes, tu les mets dans le bon ordre, tu fais de la value, tu peux repartir après Vras. Genre ces genres de deck, si c'est bien positionné, j'aurais moins de mal à jouer ça que Lucas. De toute façon, je vais tester entre aujourd'hui et demain, Ouais. et si je trouve un truc, bah cool quoi. Ok. Si je trouve rien, écoute, ce sera Winota avec un side. Ouais, si tu veux, je t'enverrai une liste de Winota BO3 et puis après tu fais ta popote, hein, tu testes et tu vois ce Ouais. que tu préfères. Cycling, ça marche plus assez là. Je t'avoue que j'en ai aucune idée. Moi, j'en rencontre pas, mais. J'en rencontre plus non plus, mais je me dis c'est peut-être juste que les gens en ont eu marre parce que c'est quand même pas super fun à jouer. Après, Cycling, c'était attendu quand même. Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai Ouais. tryhard pour Red Bull Untapped, quand on préparait le Sultai, enfin, on savait que Cycling, c'était un bon deck et les gens avaient des armes pour le battre. Mais Ouais. sur un malentendu, si tu maîtrises pas Jeskai Lucas, t'as raison de jouer les Outsiders hein, et de jouer des trucs comme Cycling. Hein. Ouais. Ouais, bah écoute, je vais réfléchir, mais si t'as. Tu peux m'envoyer. Merde, j'ai pas vu. Je crois que c'est Vincent Miller. Ouais, Vincent Miller, tu peux m'envoyer les decklists, ou une decklist au moins sur Discord. En MP, ce serait très sympa. Sinon, bah, je pourrais les trouver au pire les DL. Mais si tu les as sous la main, ça fait plaisir. Le Gruul avec Raptor en maraude PL, tu les satèles. Je sais Non, pas mais si c'est ça le genre marche beaucoup de... ça. On rigole, mais c'est le genre de DL qu'il faut jouer demain si t'es pas à l'aise pour jouer des miroirs de Ouais. Lucas. Mais ça, curieusement, il faut moins de cartes pour faire une sortie champagne, mais je trouve que c'est plus dur qu'avec Winota. Ouais, moi je pense que Winota, c'est une version supérieure de ce paquet-là, quand même. Ouais. On est d'accord. Franchement, Winota en BO3, moi, comme je le vois dans ma tête, c'est après ça, tu rentres juste un petit peu des contres et des bons drop 3 pour pouvoir avoir toujours les effets néoformes, donc des drop 3 à effet d'arrivée en jeu. Genre des Night of Autumn, des contres, genre des Veto et compagnie, et tu montes juste à 26 landes au lieu de 24. Et Ouais. franchement, easy, hein. Ouais, en vrai, je vois pas ce que j'ai envie de rentrer, tu sais, dans Winota après side, à part des rafales pour le Mirror. Bah, mais le Mirror, il n'existe pas, le Mirror en BO3, si. Bah, au pire, rafale, j'attraperai plein de trucs, tu vois. Donc, bonne carte, quoi. Ouais. Bah, disons qu'après side, les trucs que tu vas enlever, bah en fait, c'est peut-être genre les néoformes que tu vas décider probablement. Ouais, ça dépend à quel point le mec va m'attendre, parce que enlever des Winota, c'est quand même chaud, quoi. C'est vrai que sider dans ce deck-là, c'est quand même prendre le risque de déstabiliser, dénaturer ton deck de base, mais. Et ouais, tu vois, le deck est bien solide, donc. Je sais pas. Disons que s'il faut partir sur un braquage, c'est le genre de deck qui braque bien Winota, quoi. Ça peut braquer, hein. Je me dis que si la une, j'ai de grandes chances de la gagner, puisqu'en plus, là, les decks seront moins prêts encore, normalement. Qu'aujourd'hui. Ouais. Bah, je pense J'ai que en. les decks, ça va être des miroirs de Lucas, hein. Ils vont tous être Ouais. adaptés au miroir. C'est surtout ça qui est intéressant.
Silençante, ouais, silençante, pas ouf. Tu peux pas le Non, ouais, c'est transformer pas en terrible. Lucas, non? Non, parce qu'en fait. Enfin bon, en tout cas, j'ai vu, hein, c'était incroyable comme Merci. run. J'en revenais pas, je suis en mode putain, la dernière game, elle s'est passée toute seule, quoi. Ouais, j'étais là en mode ok, let's go. Dès la main de départ, tu sentais que ça allait, quoi. Ouais. Ah, tu peux clip après, je crois, chez Enzo, si tu veux. Tu peux aller voir la rediff et tu peux couper un segment, il me semble. Si jamais ça peut Bon, moi, marcher. je vous abandonne, je vais m'occuper de mon Yes. invité. Désolé, ouais, Encore j'avais GG, oublié. gros. C'est le boss et demain, bah, casse tout, hein. Qu'importe ce que tu Yes. joues. Bah écoute, je vais Casse voir, tout. je vais tryhard un peu entre aujourd'hui et demain. De toute façon, moi je faisais ça pour l'élan de Godzilla, donc bon. Ouais, maintenant tu peux faire ça pour 1000 ou 2000 $, donc Ouais, on va essayer quand même. Mais 2000 $, ça ferait plaisir, quoi. Ouais, c'est ça, Vincent. Bah ciao, ciao, fou, et merci d'être repassé là pour la fin. Oh, avec plaisir, quel régal. Allez, ciao, Allez, bonne ciao. soirée, Ciao la tout le bise à monde. Mika. Ciao, ciao. Ça marche, transmet. Nala. Eh ben écoutez, le chat, on est bien là? J'ai un message? Pas du tout. Pas du tout. Les récompenses, c'est quoi du coup demain? C'est 2000 gemmes, une victoire. 4000 gemmes, 6000 gemmes, 10 000 gemmes, 20 000 gemmes, 1 000 $ et 2 000 $. Et on a droit qu'à une seule défaite. Deuxième défaite, c'est éliminé. Bah, en vrai, moi j'espère faire une victoire, comme ça me rembourse mes gemmes et ça me permet de pouvoir faire full encore draft en stream. Et si je fais plus, genre 4000, 6000, bah ça sera pour faire des événements jusqu'à même M21. Et à partir de 10 000 gemmes ou même 20 000 gemmes, bah, ça fera plaisir pour M21. Et si on a des petits dolls, bah, ça fait encore plus plaisir, quoi. C'est jouable jusqu'à 20 000 gemmes. Ouais, 5 victoires. Après, c'est une seule défaite, on a droit, quoi. Donc c'est quand même chaud. Merci, Tonton Squirrel. Je fais jour 2, ouais, Rothschilds. Est-ce que tu serais le baron de Rothschilds? Je peux. Bah, en fait, c'était du BO1, là, ce sera du BO3. Donc, heureusement, on peut changer de deck, ouais. J'aurais pas le temps, Lovecraft, de tryhard autant. Et c'est pas le genre de deck que j'apprécie forcément jouer. Lucas. Par contre, j'ai entendu dire que U-White Control, c'était pas mal du tout. Mais je vois pas comment tu t'en sors face à Mono Red. Et. Ouais, je pense, Yunzu. Mono Red et les Winota, du coup, s'il y en a. Parce que franchement, Tavras, c'est tour 4, quoi. Cette victoire, tu plaques tout, tu te barres aux Bahamas. Ouais, bah, je me barre aux Bahamas, mais arrivé là-bas, je vais faire. Ah! Du coup, faut que je reparte là. C'est comme les milliardaires, t'en fais quoi de 20 000 gemmes? Ouh, ça va vite, hein. Quand tu dois créer du contenu d'Amé HB, ça va très très vite, 20 000 gemmes. J'avais acheté l'équivalent de 15 000 gemmes à la sortie d'Ikoria, et tu vois, il m'en reste 2 400 là. Sachant que j'en ai gagné 2 000 en faisant jour 2 là. Donc ça va vite. Jund a un mauvais match-up contre Lucas. Non, je pense que Jund a un match-up vraiment pas dégueu. Thierry a défoncé tout le web contre hier avec Lucas. Aïch. Aïe aïe aïe. Du coup, tu pars sur du train. Bah là, je pense que je vais cut parce que j'ai une dalle monstre. Mais je vais sûrement m'entraîner un peu ce soir, ouais. Et je m'entraînerai surtout demain dans la journée, Pépouze, quoi. J'attends. Ah, voilà. Alors, attendez, je vais essayer. Merci beaucoup, Vincent, pour les liens. Je sais pas si tu es toujours là. Alors, est-ce que je peux vous afficher ça ou quasi? Ah, un Porto Arena, ouais, parfait. Parce que je suis jamais allé sur CFB Event pour les decks. English. Importe. Il est où? Imported deck. Il nous manque combien d'omnats? Deux. Ouf, on sent qu'on a trois coffres. C'est avec Yorion? Ouais. Hop. Non. Hop. Happy Styles. Donc ça, c'est du classico.
On fait plein de belles magies, on rampe, on a un peu d'interaction avec les Brazen Borrowers. Ouh, les Domri, j'aime beaucoup. On a Tassa pour faire des dingueries aussi. Genesis Ultimatum. J'aime bien. J'aime bien la gueule du pack. On a 4 euros. En vrai, si je gagne 2000 dollars, on peut rêver un petit peu. Je crois que. Bah, après, ce sera converti en euros et je pense qu'on ne touche pas intégralement les 2000. Mais. On va dire que ça va me faire 1500 euros après déduction de tout ce qui doit être déduit. Je vais. Je pense mettre 1000 euros pour améliorer le setup stream, notamment le PC. Et puis 500 euros, bah, ce sera peut-être pour se faire plaisir dans l'été, quoi, parce que ça régale quand même. Imaginons, vous voyez, qu'on gagne le pactole. Ça ferait 1600, Jean-Michel Cool. Ok, bon, 1600, ça descend quand même, hein, je les prends. Ah, on me dit 1003. Ça descend. Vous avez gagné 2000 dollars, moins tout ce que. Hein, ça fait 5 euros. Quelle heure demain? Je sais pas, je crois que c'est 17. Ça fait 1800 hors taxes, ok. J'ai pas réussi non plus Rothschilds, mais en fait, ceux qui sont éligibles à gagner des sous-sous Rothschilds. Lol, demain il va faire 0 win. Bah merci Damien HB. Ceux qui sont éligibles à gagner des sous Rothschilds, ils sont contactés par Wizard et Wizard les aide à créer un compte iPayout. On n'est pas obligé d'en avoir un avant. Donc pas de paix à ce niveau-là quoi. Et il va pleurer. Bah non, t'es bien haro Damien HB. Je sais pas ce que vous avez en ce moment le chat, vous adorez me picoter. Ah, tu rigoles, Dragon HS, mais il y a certains tournois où tu prends. Enfin. C'est entre la somme qui est annoncée et la somme que tu touches, il y a une énorme différence. Hein. Ok, bah écoutez, on testera ça. Et j'en avais une deuxième, sinon. Mais je voulais voir autre chose là. Ah oui, je voulais voir à quelle heure demain ça doit être écrit là. Parce que je sais qu'il y a un check-in. Start in 21h. Et on est 20, il est 20h, donc à minuit. Donc ça commence à 17h. Eh oui, mais je connais pas moi ces horaires-là. Alors, on va taper 8 a.m. PT. Ça fait 17h. Ah ouais, donc c'est entre 17 et 19h qu'il faut être là pour le check-in. Ok. Donc ouais, bah ce sera à 17h les gars. Bah j'espère chez Enzo, bon. Mais en FR, ouais. Ouais, mais ça change pas les horaires, je crois. Ah! Les joueurs doivent rejoindre le jour 2 entre 15h et 17h, heure de Paris. Alors que sur le truc anglais, il y a écrit 8 a.m. PT. Et ça donne 17h. Donc je ne sais pas à quelle heure je vais être là. Bon, dans tous les cas, je serai sur mon PC, je pense, aux alentours des 15h. Donc je checkerai. Mais ça commence bien à 17h par contre. N'oublie pas qu'en plus, tu gagnes les boosters de Mythique demain. Oh. Comment ça? Les boosters mythiques. Penses qu'il y a des bains en standard lundi? Je sais pas du tout. Au pire, garde le jeton, je l'échange dans la boutique. J'ai quoi avec ça? Deux dos de cartes. Ah, vas-y, file-moi les deux dos de cartes. Ah, de ton rang classé? Ouais, effectivement, mais ce sera à 19h, je crois, demain, donc le tournoi sera déjà commencé. Je sais pas si je dois soumettre ma decklist à 15h. Enfin, entre 15 et 17. On peut choper à decklist PL.
Je vais la mettre sur le Discord là, je vais la mettre de suite. Je vais l'exporter déjà. Et je la mets là. Hop. Déclic stream. Wow. Winota 4C Neoform. Hop là. Voilà, je vous l'ai mise sur le salon. Et j'avais une autre decklist qui est moitié LM1, moitié témur LM, moitié témur REC, je crois. Tac. Tac. Ah, il faut que je remette le jeu en anglais, les gars. Pour le... Ah, ouais. Mais il y a expansion, explosion qui bug. Oh, il faut que je réinfiche les textes et tout. Bon, je le ferai hors stream, ça, les gars. J'ajouterai, je regarderai la decklist hors stream. Tu nous meules, tu as gagné des minutes, tu rentres dans les gens. Tu as perdu ton mal au père Hachette avant ta mort. Ah, bah, je sais pas si ce serait cool, mais. Ce serait rigolo. Il faudra aussi prouver ton âge. Bah, y a pas de problème. Mais du coup, c'est pas la même liste Winota que tu as joué par rapport à celle sur la chaîne. Non, parce que entre-temps, Val a testé une autre decklist de Winota, une autre version, bah celle-ci. Et du coup, là, elle m'a dit, écoute, c'est très fort. Moi, je vais jouer ça. Donc, j'ai testé. C'était très fort en ladder. Je me suis dit, bah, je vais jouer ça. Je pense que j'ai eu genre 70-75% de winrate ce matin. J'ai pas fait énormément de games, mais j'ai dû faire entre 15 et 20 games. Et ouais, j'ai tellement rossé, quoi. Bah, je suis passé de plate 4, pas de palier, à plate 2, 3 ou 4 paliers, je crois. Ah non, plate 2, 2 paliers. Donc ça fait 6, 12, 14. Ça fait 14, et sachant que j'en ai perdu entre temps. Donc j'en ai regagné, ouais, donc je dois avoir un winrate plutôt élevé, ouais. Ok. Avec le deck que j'ai joué là ce soir. Ouais, je conseille la nouvelle version plutôt, Fitzcairn. Fitzcairn. B3, c'est pas une bonne idée. Ouais, je sais pas. Si j'ai aucune affect envers des decks, je jouerai ça pour essayer de voler, quoi. Cette manfine vient de se faire rosser par un mono rouge cavalcade, nous vole le monde. Ouais. Après, c'est bien que des decks comme ça puissent gagner. Ça prend par surprise. Winota is the new coup, pas du tout. Je vais vous laisser les gars, je vais me reposer un peu, je vais tryhard pour demain, essayer de vous proposer de la belle magie, mais bon, je ferai sûrement plein de bêtises. De toute façon là, le but c'est pas déjà d'avoir les petits lands qui font plaisir là, avec le Godzilla là-dessus. Parce qu'il régale quand même ces lands. Je vous retrouve demain du coup. Alors le tournoi commence à 17h, donc même si je dois check-in avant, je vais juste check-in et je commencerai le stream au moment où je commence les games. Ou alors je commencerai un poil plus tôt pour faire des games. Quelques games pour m'entraîner, mais vu que c'est du BO3, je pense pas que j'aurai le temps d'en faire beaucoup. Donc ouais, je vais bien m'opposer. Je vais essayer de faire un truc demain, et si je fais rien, c'est pas très grave. Demain, donc entre 16 et 17, début du stream, je pense. De toute façon, si vous avez follow, si vous êtes sur Discord, si vous êtes sur Twitter, vous serez averti. Si vous attendez qu'on vous envoie un SMS pour vous dire ça commence, ça on pourra pas le faire, vous êtes trop nombreux, mais on y travaille, pas du tout. Merci à tous, j'en suis pantois à écouter de ce qui s'est passé ce soir. En tout cas, je suis très content. Je vous fais plein de bisous partout. Non, pas de stream avec Lanceau du coup, parce que je pense que même si je fais 0-2, le temps de faire 2 BO3, ça va quand même prendre un peu de temps. Donc je pense qu'il n'y aura pas de stream gaming demain, à moins que. Mais comptez plutôt sur non plutôt que oui. Voilà, espérons que je ne puisse pas faire de stream gaming d'ailleurs. Des bisous, et puis surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao, ciao, merci à tous.